Pire, je joue à... Mec, sur le top, hein, je joue mon propre rôle, hein. Il danse bien. Tu trouves? Par contre, mollo sur le GHB, hein. Je t'ai vu tout à l'heure, t'en mettais dans certains verres. Calme-toi, ok? Hé, hey, Baptiste! Calme! Mollo sur le GHB derrière! Ouais, non, mais je le connais. Regardez-le là, il va aller chez là, il va avoir une meuf. C'est DMG pour ceux qui... Oh DMG! DMG, c'est bon, j'ai compris la leçon. On ira faire du GT ensemble, c'est bon, c'est bon. T'auras le droit d'envoyer des soucoupes. Oh! Quoi, vous avez bien mon pseudo? Oh oh, ça me signale rien de bon ça les gars. Un mec qui... Là tu penses qu'il y a un gars qui est en stand-by toupie, enfin... Pour qu'un pote le couvre en chitant, à foison. On les connaît hein, les mecs, le bind... Binter Wright. Et l'autre, t'inquiète je gère. Reste AFK, je gère. T'as détecté un truc ou pas? Je sais pas si c'est bizarre. Ouais, je suis que des cheaters. On a la meilleure game de jeu. Ouais, il se passe quoi les gars? Ça cheat ou pas? Ou ça cheat à la mort en face. Hein. Tout ça, wesh. Le Macron là, il est il est non, chelou. Je crois pas qu'il cheat. Et toi, non, il va chelou. Wesh, eh, par contre, ta voix, elle me fait penser à un truc de radio. Ouais, c'est vrai que ça change pas beaucoup, tu vois. Ah merde. C'est là, ça a l'air d'être le même micro, tu vois. Genre, t'as un micro, on dirait que tu fais de la radio. Ouais. Ah non, c'est parce qu'en fait, c'est mon père qui m'a acheté un nouveau micro pour faire des vidéos YouTube. Ah, oh, carré, il est bien ton micro. Il me fait penser de quoi? Il me fait penser au. Ah, il me fait penser au truc énergie. Ça me fait grave penser à l'énergie. Et je suis aussi du GTRP, donc c'est important d'en avoir un bon, quoi. Ouais. Ouais, propre en plus, tu veux juste sur quel serve? J'étais un temps sur Flashland, là en ce moment je suis sur, je sais pas si tu connais Trium, et sur Los Blancos. T'es ouais. Ouais, whitelist. Oh, beau gosse. Arrêtez de me chauffer sur Energy, je vais faire ma voix de radio après, derrière. Et vous jouez un peu à GTA ou pas? Non, pas trop. Moi je jouais un moment, mais genre j'étais pas sur des serveurs avec, et puis c'était vraiment nul. Moi mon prénom c'est Mathias, enchanté les gars. Enchanté hein. Moi c'est Adam mec, enchanté. T'as pas de Discord? Non, vocal, game. Parce que je me suis déjà fait des doses sur Discord. Ah t'as peur que je t'ai des DS? Ouais, ça m'est déjà arrivé sur un MM. On peut pas des doses sur Discord. Wouah, abusé comme un cheat. 850 FPS, je suspecte d'être en train de tenter de spinbot, hein. Ouais. Spin sur lui-même au spawn, c'est bizarre. Mais regardez-le, le Macron, là, il le main suprême. Mais t'inquiète, je comprends. Si tu veux pas, fonce car. Je crois que c'est bizarre, là. Ah oh bah lui aussi. Putain, excuse. Ah, dommage vert. T'aurais pas lancé un petit programme hein, en même temps que CSGO avant de lancer la game là? Vert. Vert. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se voit un peu quoi. De quoi? Ouais, j'ai. Allez, l'équipage, pour rendre, je cheat pas, gros. Je vois ce que t'es en train de vouloir dire. Non, non, mais c'est toi qui a besoin de lancer un truc. Tu sais quoi, si tu l'as vraiment, gros, on va pas juger, fais-le. Parce qu'en face, c'est compliqué quoi. Ah, c'est quoi ta chaîne YouTube? Trouvez-moi une chaîne YouTube de. Trouvez-moi une chaîne YouTube d'un mec qui débute. Trouvez-moi une chaîne YouTube vite, les gars, vite! Parce que si je démaster Snaku, ça va être mort. J'ai pas de quoi.
Ouah, vas-y. Baguette Rec, non, Swan the Voice, non, non, mais c'est cramé. Ah, oh, putain, vous avez pas d'idée, vous êtes pas bon, les gars. Angelo Fortnite. Un mec unno, mais unno, vraiment unno, quoi. Go ta go. Pablito, mais qu'est-ce qu'il te fait dire comme quoi je suis cheat ou je sais pas quoi? Non mais t'inquiète gros. Moi sinon c'est Pablito RP si tu veux aller checker. Attends, ça me dit un bail sincère. T'as combien d'abonnés? Oh, j'ai pas beaucoup hein. J'en ai combien? Il en a combien? Mais t'as pas... Oh oui, c'est pour ça que je te... Et c'est quoi ça, je crois mal ou mal. Par contre, il y a ta mère qui parle derrière. Tu dois aller manger, je crois, non? Tu parles à qui? Bah, à toi. Non. Ouais, je suis en train de ramadan. Non, mais je te demande, ramadan ou pas, tiens ta mère. Je te dis direct, tiens ta mère. Pour un gros, parle bien, je pas rigoler avec toi. Non, non, mais gros, on a besoin de son en fait. Ah, ouais, c'est vrai, il faut le son quoi. Si on veut jouer, mute-toi sur le TS en vrai. Je sais pas si c'est lui qui m'a mal parlé, mais mec, t'es spotted. Hein. Mais bon, après, tranquille, hein, gros. Je te mets plus sur TS. Le tien ta mère, ça méritait un petit clip. Ah ouais, vraiment. Info. Attends. Vu que tu vois à travers les murs, tu peux me dire où il est, je vais le rusher comme ça me fait des points pour mon rank. Mais frère, hey, je cheat pas en fait. Go, t'inquiète, c'est tout le temps qu'on dit ça, j'en ai déjà eu des potes cheaters, t'inquiète, y'a pas de problème. Non mais gros ça. Comment ça ça? Je smurf jurse. Je suis juste un smurf. Ah, il a dit FK. Je pourrais la voir s'il vous plaît les potes. Moi s'il te plaît. Bah tiens, je te laisse. Je vous laisse. Merci. Super quoi, je suis argent 2, j'aimerais bien avoir du rank. Orange, par contre, évite de jouer dans le salon, les bruits de famille, c'est chiant quoi. Vous avez pas de chambre ou quoi, bande de pauvres? C'est pas moi, hein. Moi je suis dans ma chambre, frère, y'a personne à côté de moi. Bah moi y'a personne. Je sais pas, j'entends des bruits de fond. Ouais, c'est le vert, c'est ouais, mais c'est pas toi qui décide, frère. Il a son frère qui joue à côté. Non, c'est des bruits de... Non, c'est pas ça. C'est des bruits de salon, ça se voit, c'est des bruits ambiants. Bombe... Bombe qui spawn. Mais qu'est-ce que je prends, gros? Il m'a clair... Il m'a bouche, mais il s'attrape la tête. Ouais. Bande porve. Par contre, bon, allez, les gars. Gros, appuie sur tous les boutons, mec. Go. De toute façon, tu sais très bien qui cheat en face, t'inquiète. Bleu et vert. Mais gros, je cheat pas, je sais pas ce que t'as, gros, avec moi, mais je cheat pas. Et sur le round, là, sur le round, quand il est arrivé à part, t'as fait deux headshots rapides. Mais alors? Bah, mec, ton rank, les ranks qu'on a là, c'est impossible. Parce que tu viens de faire ça à niveau global. Je suis smurf, frère. Mais t'es smurf de quel rank? Double AK. Bon, vas-y, tu me saoules. Mais gros, t'es un forceur en fait. Non, c'est juste que tu veux pas assumer, gros. C'est juste ça en fait, c'est ça qui me gêne. Donc juste assume et ensuite on peut jouer ensemble. Mais là pour l'instant je vais te muter et tu fermes ta gueule. En fait je crois trop que je suis ta petite pute, vas-y casse-toi. Tu vas être ma petite pute, mec, tu vas l'être. Mais gros. Parce que tu sais que le smurfing c'est interdit, mec. Donc là je peux te porter plainte, enfin je peux te report pour griffing déjà. Déjà de base. Bah va report, je m'en vois les couilles, gros. Mais t'as quel âge, gros? T'as quel âge? Parce que moi j'ai à peine 17 ans et j'ai plus de mentalité de maturité que toi.
Mais gros, je m'en fous tellement de ta mentalité ou je sais pas quoi, gros. Raconte pas ta vie, s'il te plaît. Sale pauvre, il y a même pas de chambre, il vit dans un salon. On entend sa famille derrière. Les gars, quand vous voulez, les mecs, hein, de toute façon, on arrivera bien sans lui. Si vous voulez le kick, comme ça, il se prendra un lockdown. Le mec, il shit, il se la ramène, quoi. C'est ouf. La mentalité est faire de merde. Par contre, bleu, crois pas que je t'ai oublié, gros. De quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, mais je t'ai spot aussi. Hein. Oh, bah, au calme. Non, mais tranquille, juste toi c'est bien. Je cheat, hein, moi je m'en bats les couilles. Toi c'est bien, mais c'est pas comme Vert, le Vert qui assume pas, tu vois. Toi t'es un bonhomme, toi t'es un vrai, tu vois. Moi j'ai aucun souci avec ça. En fait, tu t'occupes pour rien du tout, gros. Non, mais le problème c'est toi tu veux pas assumer, gros. Parce que moi j'enregistre la record, en fait j'ai la record, là j'enregistre. Et le problème c'est que toi t'assumes pas. En fait, j'ai juste un wallhack, je sais pas quoi t'es, tu. Voilà, tu dis-le que t'as un wallhack. Putain, enfin t'assumes, sale pute, va. Enfin. Petit à petit, on avance. Voilà, tu vas arriver. Non, mais gros, tous les fois tu parles pour rien du tout. Bah voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu parles d'IM Lock, je sais pas quoi, gros. Je t'ai juste dit non pour l'IM Lock. Bah oui, bah cheater les gars, parce que j'ai pas envie de perdre cette game, c'est pour mon rank. Donc cheater les mecs. Putain, c'est ouf. Voilà, bah fallait pas le penser dès le départ. Au lieu du roi, est-ce que vous cheatez, je sais pas quoi, frère. Tu me dis ouais, IM Lock, je sais pas quoi. Petit smurf. Et pour ta gouvernante, mec, je t'inquiète, je t'ai pas signalé parce que j'ai envie de gagner cette game et j'ai pas envie que ton compte soit ban. Vas-y, comme tu veux, hein. Enfin, perso, je m'en fous, gros. J'ai 1000 comptes donc je m'en bats les couilles, gros. Enfin, 1000 comptes, t'as capté, fin de parler. T'as investi dans le jeu, quoi. Pas du tout, frère. Tu sais que c'est un fake prime que j'ai. C'est quoi ces mecs, ils jouent comme ça? Mais, genre, ta fréquence de cheating, par exemple, en game, quand tu. C'est quoi? C'est-à-dire, tu fais une game clean toutes les. Tous les 3? Bah, en vrai, ça cheat pas, enfin, je cheat pas de ouf. Ok. Ah bah ça va, en fait t'es honnête, d'accord. T'es genre un genre de chevalier, quoi. En gros, en face s'il y a des méchants, tu vas leur rendre l'appareil, en fait. Ouais, en quelque sorte. Ok. Après t'as un peu abusé, mais. Une sorte de justicier. Mais en tout cas merci de nous défendre parce que là ça pollue les. Ça pollue les shit, les games, quoi. Merci gros. Sinon tu viens d'où toi? Depuis tôt, en 92. Autant dire que j'ai une belle maison. Il y a un mec à part de. Je suis pas comme l'autre en train de vivre dans son salon comme un clochard. Je sais pas qui c'est, je crois que c'est Orange. Et non, c'est pas moi. Tu dis à chaque fois c'est moi, frère, je suis dans ma chambre. Je reste B, je reste B. Mais ta chambre, elle fait combien de mètres carrés? Juste pour savoir. Est-ce qu'une c'est une chambre d'achélémiste? C'est-à-dire genre 9 mètres carrés, 8 mètres carrés, genre t'as la place pour mettre un lit double et c'est fini? Non, non, moi j'habite en Belgique, j'ai une maison, ça va, je suis pas mal. Ah. Ok, lui m'a spot avant. On croit en toi, le bleu. Vas-y, mets la gomme, le bleu, s'il te plaît. Ouah, wow, vas-y, frère. En fait, les gars, y'a que le jaune, ce fils de, hein. C'est juste lui, il faut le cadrer, les gars. Eh, t'as quoi contre les pauvres? Rien de spé dans mon lycée, il y en a quelques-uns, mais c'est juste que j'ai eu une mauvaise expérience avec certains, en fait. Stagiaire. Donc tu les mets tous dans le même panier? Non, parce que mon père m'a dit de pas le faire, mais des fois c'est pas évident, quoi. Ah ok, parce que je préfère te dire comme quoi j'ai pas 1 million d'euros. Ouais, t'es arabe? Bah ouais, je suis arabe. Pour ça je fais le ramadan, tu vois. Ah. Pourquoi t'as aussi un chat avec les arabes? Un léger, mais rien de spé, t'inquiète. Go jouer tranquille. T'es sûr? Non, ça va aller. Y'a quoi quand même pas chez nous? Les traditions et le fait que vous soyez des arabes à joie. Qu'est-ce que tu baragunes, toi? Bah, je sais pas, vous avez un air un peu agressif. Attends, j'aimerais bien avoir le sens, s'il vous plaît. Ok, désolé. Je rappelle que je joue un personnage, hein. Il est odieux, mais des fois il peut être divin. Non, wesh. C'est rare. C'est ce côté voleur de poule que vous avez.
joue à quoi en fait par contre? J'ai pas rigolé avec toi là par contre. J'étais vraiment très très vite. C'est bon, oh tranquille. Oh vas-y, la tête doit m'énerve. C'est juste qu'il s'est passé des choses qu'on a vu dans les médias et on est un peu plus méfiant, mais en aucun cas, tu sais que dans ma classe, il y en a un. Hein. Et pourtant, je m'entends avec eux. T'as dit quoi? C'est juste que dernièrement, enfin depuis quelques années, dans les médias, on en parle souvent et ils ont fait des choses quoi. Notamment. Ça veut dire que les médias ils disent que t'es une pute, tu vas vraiment être une pute ou pas? Non, mais c'est-à-dire que par exemple, il y a des communautés, des ethnies, là on va moins se méfier, tu vois. T'es d'accord avec moi? Même toi, par exemple, tu ferais plus confiance à un chinois qu'à un noir? Pas du tout. J'ai des amis noirs, etc. Enfin, c'est pas du tout un souci, gros. J'arrête. Okay. C'est pas parce qu'ils sont noirs que je vais moins les aimer que alors qu'ils sont chinois, tu vois. On peut l'applaudir parce qu'il y a une bonne mentalité et moi, ça, j'aime bien. J'aime bien, franchement, ça... Des fois, ça révèle des connards, mais des fois, les mecs, il faut quand même en dire ce qu'il y a à César, c'est que des fois, il y a des bons gars quand même sur lui. Merci les mecs pour lui. Juste pour savoir, la dame au fond, c'est ta maman qui prépare à manger pour le ramadan, c'est ça? Non, c'est mon petit frère. Et c'est vrai que vous mangez tout le temps des briques? Bah, pendant le ramadan, c'est vrai que je mange beaucoup de briques, genre 2 le soir à peu près, 2 à 3 le soir. Okay. Et tu remarqueras que je fais un effort pour apprendre à vous connaître, vous. Contrairement à certains qui vous jugent, qui vous mettent dans le même panier, tu vois, moi j'essaie de comprendre. Bah, c'est un peu ce que t'as fait au début, mais c'est pas grave. C'est des humains, on est pareil. Je vais te laisser te racheter entre guillemets. Merci. Et t'as quel âge pour avoir une mentalité comme ça? Bah 15 ans je crois. Ouais, mais t'es plus jeune que moi et tu m'apprends limite la vie quoi. Bah je sais pas, j'ai l'impression gros t'es. Enfin. J'ai l'impression que t'es un peu con quoi. Rien à voir avec le troll, héros. Parce que j'aurais pu continuer à faire genre Zarma, tu vois, j'ai pas entendu, tu vois, je m'en bats les couilles. Mais en fait, il m'explique des trucs de ouf. Parce qu'à chaque fois, je fais le alors, mec qui a agressif avec les arabes sur internet. Attends. En fait. Genre, t'aimes pas les arabes, mais tu dis Zarma. S'il te plaît, ferme-la. Je te jure, ferme-la avant que je m'énerve. Bah, Zarma, c'est dans tous les cours de lycée, mec, hein. Tout le monde parle comme ça. Hein. Ferme ta gueule. Voilà, tu veux quoi? T'aimes pas les arabes, ferme ta gueule jusqu'au bout alors. T'es en train de me ZF ou quoi là? Mais gros, c'est toi en fait, tu me ZF. C'est toi gros, tu me ZF. Non, s'il te plaît, on va bien me dire. Il est en train de troll, tu comprends rien, gros. Tu commences à être agressif, gros. Bon, c'est pas grave, mec, les gars, il va casser son ramadan. Je sais qu'en tout cas, j'ai un rebeu en patte à moi. Un rebeu, il m'a dit que quand t'es énervé, t'as pas le droit d'être énervé, quoi. Ouais, mais il était pas comme toi, j'ai un peu. Enfin, il est spawn terroriste. Face au con, un peu comme toi, je vois. Il y a les boys, shit. Ah mec, je te visais pas, je visais surtout le orange là, qui est pauvre en fait, qui a pas trop d'argent pour s'acheter. Mais gros, ta race frère, ta race, de quoi tu parles? Moi je suis tout seul dans ma chambre, tu fais genre. Mais tout seul, ça veut dire que t'as pas de parents, mec. Tu vis en foyer? Qu'est-ce que t'ouvres ta gueule alors? En fait, je comprends pas ce que tu dis en fait, putain là. On comprend non, même pas ton langage, gros. On comprend même pas ton langage. The bug. Chacal, ça va te faire. Eh hey gros, non, en sort là, tu zaf par contre. Non, je n'osais ref, gros, t'inquiète, gros. Mais tu vois, moi ça me dérange pas de faire des games avec vous et de sympathiser, hein. Tant que vous restez loin de moi, dans la vraie vie. Ah ouais, donc t'es un mec comme ça en fait. Mais non, je suis quelqu'un d'ouvert, je rigole, c'est bon depuis le début, je suis un peu. Par contre, évite de faire le mec rebeu à chaque fois de dire en ça. C'est... Non mais déjà je passe en ça à chaque fois déjà. Et gros, je suis rebeu, après je nierai mes origines. C'est quoi cette manie à chaque fois de dire voilà, voilà à chaque fois, à tout bout de champ? Mais frère, non mais déjà je dis pas voilà à tout bout de champ, déjà tu m'as entendu dire une fois. Ok. Il est en train de me viser dessus. Il a... T'as dit quoi? J'aimerais bien couper mon ramadan avec du bon porc. Bah franchement, fais ce que tu veux. Non, on va pas la mettre sur YouTube celle-là. Come on, chop, chop.
contre, vous avez cette manie, vous, j'ai remarqué que vous, à chaque fois, vous faites des produits à l'alizé. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a le saucisson, ça existe maintenant du saucisson halal, du chorizo halal, du bacon de porc halal, ça existe. C'est quoi cette manie? Non, mais déjà, c'est, non, pas en gros. Je l'ai tout de suite, il n'y a pas de bacon de porc halal déjà. Le porc halal, ça n'existe pas déjà. Non, alors bacon, t'es d'accord avec moi que les tranches de bacon, par exemple, les lardons. Les lardons qu'on voit dans le kebab. Oui, mais c'est de la dinde, frère. C'est de la dinde, frère. Je sais pas pourquoi tout fait le théâtre, je parle pour rien. Mais pourquoi vous mettrez pas des tranches de dinde au lieu d'appeler ça voilà, du bacon ou le bacon des lardons de porc, ouais, c'est un baiser, bacon de porc halal. Parce que c'est fait, de la même manière, mais c'est juste pas la même viande en fait. Il est trop gentil, ouais. Non, j'irai pas non plus à la vérité parce que je nique ma couverture, dommage parce que lui mérite qu'on lui dise la vérité, qu'on est en direct. Parce qu'il est trop gentil. Il a une bonne mentalité. Mais malheureusement, ça va me desservir après. Oh là, c'est le HP. Oula, t'es un fumeur toi. Juste une question, pourquoi tu veux troll comme ça? Non, je sais pas. Ça m'arrive des fois d'être un peu agressif avec des personnes que j'ai des a priori et j'aime bien les titiller là-dessus. Mais en général, non, les gens ils m'ajoutent sur Steam et on fait souvent des games. Pourquoi? Non, c'est juste pour savoir pourquoi tu veux troll. Vas-y, bis bis, hein, que t'as 104, ouais, 134 heures, vas-y. Ouais, 134 heures peut-être, mais là tu vois, je joue pas sérieux et si je veux, je te défonce, mec. Ouais, cool. Par contre, c'est. En fait, j'avais regardé un documentaire, c'est ouf le nombre de Belges pauvres qu'il y a en France, par exemple. Il a rigolé. Hey, t'as quel âge, jeune? 7 ans. 17? 17 ans et je vis dans une maison en banlieue parisienne, mec. Ouais, c'est bon, on a compris. T'es de quelle origine, celui dont tu m'as parlé là? Vas-y, parle. Je suis sûr, je sais pas, à ta voix, j'ai l'impression de parler à un tos. Est-ce que t'es un tos? C'est quoi un tos? Un tos? T'es fou toi! Oh, ce que je lui ai mis, t'as vu? Et toi t'es de quelle origine? Français pure souche. Ah, ça se voit. Ça se voit, tu votes marine toi, hein? Je ne dirai pas quelles sont les orientations politiques de mes parents, mais ils sont très très à droite, par exemple. Attends, ma gueule, c'est de l'extrême droite, dit extrême français. Donc toi, selon toi, par exemple l'arabe là, qui est avec nous, il peut pas être fier de son pays, moi je peux pas être fier de mon pays, et au point d'être très patriote. Je dis juste que t'as trop la mentalité qui est pourrie l'image de la France, c'est tout. Non, j'ai la bonne mentalité, il n'y a qu'à voir les résultats des élections. Marine, elle a pas été élevée, désolé pour toi. Chouffle un scope, regarde. Oulala, comment il est. Il est le coup de micro, on m'entend cramer. T'as chouffe ou pas? Chouffe. Chouffe, c'est un mot de chez toi, ça, hein, l'arabe. Chouffle un scope. Qu'est-ce que je baragouine? Chouffe, ça, chouffe. Où est les chouffes? Vas-y! Hey Rouya, tu vas te calmer, hein. Oula the bee. Mais ferme ta gueule, frère! Des oula the bee, déjà, ça se dit pas oula déjà. Arrête d'être agressif, gros. Non, mais je sais pas si c'est ton pote ou pas, frère, mais vous commencez à zaf en fait. Mais on essaye de parler comme vous, y'a beaucoup de blancs, hein, tu sais, qui essayent de parler en mode rebeu. Moi d'ailleurs, ça me casse les couilles, mais j'essaye des fois pour le foutre de leur gueule, d'apprendre des nouveaux mots rebeu. Ouais, bah ouais, justement, c'est ça le souci, c'est que j'essaye de te foutre de notre gueule, c'est ça le souci. Wallah le Ramdoun, wallah. Non mais gros, ferme ta gueule en fait, c'est bon gros, je commence à m'énerver. Miskin, qu'est-ce que tu vas faire? Tranquille gros, Miskin. Miskin, l'Arnouna, ça veut dire quoi déjà l'Arnouna? En fait, tu dis vraiment des choses qui n'ont rien à voir gros. L'Archoumax, t'es vraiment l'Archoumax du pays toi.
Mais gros, déjà, tu parles de Hnouna, ensuite tu parles de. Une Kerba, 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 toi, Carlouche. Mais t'as quoi, t'es une petite pute. C'est un Carlouche, toi. Parce que ça veut... Bah, déjà, je parle Carlouche, non. Attendez, les gars. Tiens ta soeur, s'il te plaît, merci. Non, c'est bon. Non, mais en fait, raconte pas ta vie, gros. T'es pas content, je suis en 1v1, gros. Tu laisses jouer, s'il te plaît. Laisse se concentrer, gros. On bat les couilles. Ah putain, à cause de toi. S'il te plaît. Dis-nous que t'as dit une bébec. Mais n'a tué les mecs en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ça par contre? Ça veut dire quoi? Jeanne! Au secours! Vas-y, chacun. Wesh, il est complètement fou votre pote, hein. Vas-y, parle, BK. Mais trop l'imbécile. Faut que tu me cover, BK. Quoi, t'inquiète. Nardine Morano. Qu'est-ce que tu baragouines toi? Nardine Mook, Nardine Morano. Morano, ça veut rien dire, c'est pas de l'arabe, frère. Est-ce que c'est de l'arabe quand je dis j'ai d'orange, dis pomme, j'ai d'orange, des nénès? Non, c'est pas de l'arabe non plus, ça. Mais Nartou les mecs, c'est de l'arabe. Nartou les mecs, les siliques, tout. Quand je vais à l'épicier arabe, voilà. Ce qu'il y a, c'est que vous, il est tout le temps ouvert jusqu'à 3h du mat. Je lui dis, hé, chouillard, hé, chef, une gazouze, s'il te plaît. Oh là là, 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 là. Ouais, bah frère, raconte pas ta vie, va faire ce que tu veux, où tu veux, frère. Viens, paye chez nous, ça m'arrange. Abdou, ça veut dire quoi, Abdoulillah, Abdou? Alhamdoulillah, déjà. Et pourquoi vous dites tout le temps wola, pourquoi vous dites wola, les wola? Mais je te demande. Est-ce que je te demande pourquoi tu votes à droite? Je vote pas à droite, j'ai pas encore en âge de voter, mes parents votent à droite. Et alors, oui, c'est quoi ton problème? Bah voilà, proche, bois, t'as cassé ton maintenant, y'a ta soeur qui demande de boire. Bois. Abdoulillah, bois, je m'appelle Faudel. Je suis le prince du rail, Abdelkader. C'est pas Abdelkadim. J'ai entendu pas ça comme ça, frère. Avec ta voix de prépubère là. Je crois que je vais me faire avaler comme quoi t'as 17 ans. Vas-y, arrache-toi. Sur ta gouverne, j'ai mué il y a pas longtemps donc. Reste réglé. Bah, personnellement, gros, j'ai 15 ans, j'ai déjà mué. Attends, t'es originaire de la Maghrébie et tu connais pas Faudel et 1, 2, 3 soleil. Mais voilà, l'archoumax que t'es, quoi. Une putain de génétique. La génétique arabe, j'aimerais tellement l'avoir pour faire du sport. Une bonne génétique. Une génétique d'arabe à joie. Oh, super robeux. Bah gros, plan B. Tu sais ce que tu fais? Marie-toi avec une Algérienne ou une Marocaine ou je vais me marier avec une vierge pute même. Une vierge pute, je pense pas que ça existe. On appelle ça une hlel. Bah voilà. Une halal. Et il va falloir que tu passes la hlel, déjà. Je sais pas si tu vas y arriver. Tu auras beaucoup d'arabes, tu sais, à ton mariage. Ouais, j'ai entendu dire que dans vos coutumes, vous adorez coudre les hymens parce que les filles, elles adoraient se faire pénétrer juste avant le mariage. Chienne. Excuse-moi, mais mes sœurs, elles sont pas comme tes sœurs, en fait. Quoi? Déjà, parle bien de ma sœur. Bah non. Elle a 20 ans, elle a juste couché avec un seul mec et c'était pas le bon. Bah déjà, ça fait un trop, déjà. Ah. Elle était mariée ou pas? Quand elle a fait l'acte... En plus, elle faisait des bruits chelous, gros. Non, elle est pas mariée. Je t'ai pas demandé de nous raconter ta vie. Gros, juste arrête de troll, mec. Ilel, tu tombes dedans comme une pute. T'es sa pute, là, Ilel. Y a pas de troll, mec. Tout ce que je dis, c'est la vérité, mec. Alors arrête de faire le proche chevalier qui défend son pote. Si je dois discuter avec lui, je discute avec lui. De toute façon, j'ajouterai sur Steam, on parlera ensemble. Ah, tu crois que je ton pote ou quoi? Vas-y, reste là-bas, là. Bon, tu vois, on parle comme ça, il y a de l'animosité, mais crois-moi que dans quelques temps, tu vas commencer à me kiffer, mon pote. Ah, je suis pas payé, DJ, excuse-moi. Moi, je suis bi. Y'a un souci? Allez, hop. Là, tu vois, t'oses rien dire maintenant. C'est bizarre! Bleu! Excuse-toi tout de suite! Bleu, excuse-toi tout de suite! Mais t'es bêtise, Bleu, Timateka! Les gars, go vote kick!
Vas-y, crée le vote, on va le kick. Non, s'il vous plaît, non. C'est où, c'est tout les gars. Je te vois avec la bombe, frère. Par contre, Bleu, je suis sur ta vue, tu te fous de ma gueule, là. C'est pas moi, là, bah, c'est un peu spot. Je t'ai dit, je m'en bats les couilles, il cheat. Ouais, mais gros, pourquoi tu le caches pas un minimum? T'es sérieux, là? La game, elle va être annulée à cause de toi, fils de chien. On va perdre notre temps, gros, Écoute, non, mais écoute. Pourquoi toi, tu caches pas un petit peu ton racisme? À aucun moment, je l'ai. Enfin, je sais pas, je suis pas raciste, moi. Les gars, les autres, vous trouvez que je suis raciste ou pas? Ah non, il cherche à apprendre. Apprends-lui, frère. Regarde, BKO, je suppose que toi tu viens de la Maghrébie, BKO, t'as vu? Je t'ai pas agressé, je t'ai tenté avec toi. Hein. Tu manges du couscous, je te juge pas. À la cool. Mais gros, je te demande pas de me raconter ta vie en fait. Ouais, c'est un baiser là. Vous avez que ça là en tête, les gars. Baiser. Je parlais de toi. Voilà. Et les i pour les 65 mois, bande de pu, les gars! Célébration maniaque! En double! Eh, je ne sais pas, mais t'es pas double à quand. Hein. Merci, légende, juste avant. Il y a un check pour notre ami légende, pour le tier 2 de légende. On a oublié de le relever. Merci beaucoup. Contre lui, comment on joue un peu? Joanne, t'es sûr, t'as pas payé ton compte? Imagine, t'as un logiciel et plus ça merde. C'est un smurf, mais celui-là, en fait, c'est un compte d'un pote aussi que je up. Mais là, c'est rapide. Tu l'as bien peps, non? Pour avoir ce compte. Peps, ça veut dire quoi ça? Je l'ai bien c'est la kikette. J'ai jamais fait ce genre de pratique, mais si un jour ça se présente, pourquoi pas. Ah, donc t'es gay en plus? Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais bi. Et mec, avec un homme, c'est de la peau, hein, mec. Je vois pas pourquoi. Et s'il y a des sentiments amoureux derrière, je vois pas pourquoi tu juges. Hein. Bah, je juge comme tu juges les Arabes. Non, les Arabes, ce sont des faits, hein, gros. C'est pas moi qui m'amuse à voler des poules. Baisse donc, pas dans direct. Mon cul. Ça veut dire qu'il y en a. Bah alors attends, ça veut dire qu'il y a un français, je sais pas, qui viole une meuf, vous êtes tous des violeurs? Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut pas généraliser, mais gros, t'as vu comment bah, tu voilà, parles. Bah voilà, donc généralise pas non plus. Bah y'a qu'à voir, attends, je vais te poser une question, t'as juste qu'à répondre, tu vas voir. Est-ce que t'as une parabole chez toi? Non, t'en as pas. J'ai pas de parabole, parce que j'ai la fibre en fait. Ouais, est-ce que t'as des chaînes arabes? Non. C'est étonnant ça. Ah, c'est peut-être étonnant, mais c'est. Mais vu que t'as hésité, je pense que t'en as une. Tu dois avoir des relents de parabole chez toi, ou une antenne. J'ai une antenne, ouais, mais pas de parabole. Deuxième question, est-ce que tu vis dans un HLM? Non. Appartement? Non, frère, je suis d'origine arabe. Daron a une Porsche, ça veut rien dire, frère. Bah, ma mère, elle a un X6, ça veut rien dire. Et calme-toi, Autoboto, là, calme-toi, on t'a pas sonné. Toi t'es un baiser de la vie gros, toi ça se voit t'as rien compris à la vie. Attends je te recommande Chacal, tu me fais rire. Merci. Je te jure. Merci gros. On sait que t'es un troll, ouais depuis tout à l'heure on te prend pour un con, on sait que t'es un troll frère. Bah, pas de soucis, vas-y t'as qu'à me prendre pour un troll si tu veux, y'a pas de problème. Hein. Tu sais que les Porsche, avec le système électronique, c'est pas accessible au vol. En général, vous, ce que vous adorez voler, c'est des Twingo parce que c'est facile à casser la porte. Il y a des tutos pour ça sur YouTube. C'est la voiture du pauvre. En plus, la Porsche, à 100%, c'est une vieille Boxster années 99. Lost Barn. Ouais, ouais, toi t'as cru, toi. En fait, je crois que mon daron, c'était le tien, frère. La mine de ma mère. Bah, vas-y, alors, t'as quoi comme voiture orange? C'était une vraie Porsche de quelle année alors? Parce qu'on les connaît dans les mariages rebeux hein, quand vous louez les hein. Vous amusez bien avec les Porsche pendant les mariages hein. T'as un souci avec une location? Bah dire que je peux une location. Oh là là, vas-y les frères, arrêtez ma gueule. S'il te plaît, c'est quoi, t'as quoi comme voiture s'il te plaît? Bah c'est sûr qu'avec la bagnole de mon père on s'amuse pas à faire des go fast hein, pour amener des plaquettes hein, je te le dis. Bah après ma mère elle a une clé, je crois s'amuse à ça. Elle a une quoi? Attends, il y a une quoi? Parce que c'est des voitures répertoriées pour les go fast, t'as dit quoi? Alors X6, c'est toi là? C'est une voiture okay. De GoFast, oui, mais est-ce qu'elle... Allez, spotted mec, allez. Après il me dit que je troll. Y a, les faits sont là mec, hein, les faits sont là. Mais alors? Non mais c'est une voiture... Non mais attends. Mais le coffre il est rempli ou pas? Bah alors arrête, alors ouvre pas ta gueule. Le coffre, moi je suis un frère, le coffre il est rempli mais de course. Il est pas rempli de...
Non mais gros. Mon père, il a eu une Laguna un temps. Il y a très très longtemps, on avait une Fuego. Okay, et là, on a un vieux, on a un Scénic, mais genre assez récent, qui a 2 ans, et ça marche très bien. Mais. Nous, on a chaque fois, contrairement à vous. Ah ouais, ça va faire le mec, ouais, je suis riche. Mais gros, c'est des véhicules pratiques, mec. Bah, ceci, c'est pratique, ça, c'est grand. Il y a un coffre qui est assez. Ah, c'est juste une catégorie, frère. Hein. Oh, par contre, et ta soeur, elle peut pas être confinée ailleurs, sérieusement. Confine ta soeur, sérieux, là. On l'entend depuis tout à l'heure. Et arrête de bloquer, bleu, c'est la tête de Wam. Ah, fils de pire! Excuse-moi, je suis obligé, tu m'as trop énervé, gros. Bon, bah, j'ai gagné, hein. J'ai gagné encore une fois, mais c'est du travail. Mais j'ai envie de couper le live juste derrière, quoi. Putain, je suis trop fort. Belle victoire. Après, c'est facile, ils m'ont tendu la perche, les mecs. Hein. Coupe, non, coupe pas, je dois tenir les mecs pour le Ramdoun. J'ai 300 à tenir, je sais même pas quoi faire après. Juste la blague, tu fais combien de kilos? Pourquoi tu me demandes ça? Comment tu sais que j'ai. Je suis un peu fort, ouais, pourquoi? Oh non! Non, je sais juste que t'es un peu gros. Ouais, je suis en surpoids, ouais. Je fais. Pour mon âge, je suis un peu lourd, ouais, mais je te dirai pas mon poids, gros. Cache-toi, frère. Ah, ok. T'assumes pas, c'est ça? Non. Je suis désolé, franchement, c'est un surpoids. 1m60, 80 trucs réalistes, les gars. Ouais, ouais, t'inquiète. BKO, est-ce que tu veux qu'on aille en B? Allons en B alors. Par contre, celui qui cheat là, est-ce que tu peux le wall direct en B avant de rentrer sur le bon site? En fait, tu crois, le cheat que j'ai, tu crois, il a ton père ou quoi? Il est payant, gros. Gros, vas-y. Chaque tête que je mets, en fait, parler, faut que je paye. Arrête de parler, gros, sinon j'appelle mon père, mec. Vas-y, appelle, frère. Appelle dessus, on va rigoler, s'il te plaît. Appelle dessus, on va rigoler, s'il te plaît. Seconde. Appelle ta grosse daronne pas en même temps. Papa. On revient, on repart. Attends. Appelle ton père. C'est trop dur parce que je dois faire 2 voix en même temps, c'est casse-couille quoi. Oui, c'est là le bouton qu'on appuie. Ouais, bon, c'est qui s'amuse avec qui à parler mal à mon fils là? Oh. Non, mais par contre. Eh. T'es cramé. Je vais pas le savoir. Eh, je t'emmerde. T'es humoriste, toi. Eh, la prochaine fois que vous parlez mal, vous parlez sur ce coin. Eh, ta gueule, c'est de la merde, moins que de la merde. Nerf tous les mecs. Tu sais bien parler de voix différente. C'est l'arabe de service là qui s'amuse à faire le. Ça vous suffit pas d'empoisonner le rôle avec vos odeurs là, ma gueule, hein? Incroyable. Non mais les odeurs, le bruit et les odeurs, ça le parle? Les odeurs. Et la pauvreté, ça vous parle? La pauvreté, ça on connaît pas. La je me suis fait tout seul. Frère, tu roules en scénic. Bon, j'en ai rien à foutre. Alors, il a. Oui, il a dit ça, mon fils. Et alors, je t'emmerde. Si je veux, j'ai 3 fois ton salaire, toi, espèce d'achélémiste. Laisse-moi tranquille maintenant. Et alors MDR. MDR en fait. Déjà j'ai pas de salaire. Mais vous en prenez à mon fils alors qu'il vous apprend le jeu vidéo. Ouais, c'est moi qui l'ai initié parce que moi j'ai joué il y a longtemps. Hein. Allez, tu l'initie, tu l'initie. Joue, de parler, joue. Vas-y là. Ouais. J'ai joué à la bêta d'1.5 donc s'il faut, je vous apprends le jeu. C'est bon, t'as un mécra, vas-y. C'est bon, t'es cramé, on entend que c'est toi, t'as juste fait une autre voix. T'as clairement cramé, gros. Oui, bah je t'emmerde, c'est moi. Et je m'appelle Gilles. Bah oui, c'est toi. Je suis couturier civil à l'armée. Et alors? Moi, ça m'amuse. Ça m'amuse de changer. Eh, ça m'amuse de changer de voix et de vous faire voilà, traiter les Arabes à jouer. Tu vois? Toi, t'en es un. Bah, je t'emmerde, je te pisse à l'arrêt. Tu sais que quand on fait le Ramadan, Ramdoun, comme vous appelez ça là, les gars. Ramadan, moi, je pisse dans une bouteille en verre pour faire de la bière et je bois derrière pour le casser le Ramadan. Eh! Qu'est-ce qui se passe? Tu me remets un TK dans ma face, je vais t'enculer quoi. Parce que tu vas voir ma vraie voix. Vas-y. Je vais prendre ma vraie voix et je vais vous emmerder.
Vas-y, vas-y. Vas-y, reviens. Prends ta bavon, tu sais. Eh, les gars, pourquoi vous parlez mal, là, les gars, putain, là, en fait. Non, mais je m'en bats les couilles, gros. Je m'en bats les couilles. Okay. Les gars, manquez pas de respect aux gens. Manquez pas de respect aux gens, les gars. Je vous le dis direct. À qui à ton père. Mais ferme ta gueule. Pourquoi tu manques de respect? Tu es ta race, va. Parle bien. Ferme ta gueule. M'en fous de ta vie, frère. Bouffon de ta race, là, orange, là, sale pauvre, va. Va te faire enculer par une antenne parabolique, ça te bouffon, va. Bouteille en verre dans ta gueule. Ah, j'aime bien cette voix, j'aime bien cette voix. Ah, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Mais les gars, normal, je vous domine. Tu domines personne, ouais, frère. Tu domines personne, gros, t'es donné. Vas-y, gros, mais encule-moi alors, encule-moi tout de suite là, je te la suce, sale bâtard, va. Qu'est-ce que tu bragues une? Je suis bip, ça par contre, c'est la seule chose que c'est vrai. J'ai que ça qu'à dire. T'es un génie. Ferme ta gueule. T'es un génie. Eh, le bleu et le vert là, venez derrière moi. Eh, je vous lèche les bouliches, bande d'enculés là. Je te masse les boules là. Passe-moi tes bouliches. C'est bien. Venez sur moi là, venez sur mon skin là, les gars, ça me rappelle une scène. Ça fait une scène de Bekaki, les gars, venez. Jutez-moi la face, bande de pute. Bande de pute, fils de pute. Fils de pute, va. Lao Tzu disait toujours qu'il va falloir vous calmer, monsieur. Beaucoup d'énervement du côté arabe. Tu m'as calmé, tu me dérange, toi. Toi, tu vas fermer ta gueule, tu commences à me casser les couilles. Allah, viens, toi, t'as cherché, moi, il finit, voilà, il pina, veut, oh, gueule. Joue, la con de tes morts, là. Joue, ta mère, joue. Beaucoup excusez-moi. Vous avez pris comment dans monsieur B42 au covet, t'es mon tas. Joue, ta mère, la chauve, joue. Ah, pas bien, chauve. Mais c'est-à-dire que là, le commun, là, mais pourquoi il parle mal, là, connard que tu es, là? Arrête! Hé! T'as envie de te frapper, toi, là? Pourquoi tu parles mal au blanc, là? Le blanc! Le blanc, vraiment blanc! Mais ma mère! Mais attends, elle est restée en Cameroun, à Yaoundé! Mais hey, elle a les cheveux! Elle a les cheveux! Mais arrête ton connerie! Mais c'est comment ça? Regarde, j'ai fait pipi, là! Ah, je suis shit, l'autre! Oui, et puis il y a la viande aussi, je suis Yi. Bon. J'ai juré, t'es un génie, frère. Bon, c'est-à-dire. Il est trop fort. Je suis le Marseillais. Bon, ça, c'est ma brévoie, je vous l'ai dit. Bon, va falloir que son canis. On va scinder le groupe en deux. Oh, grosso fort, le QC, écoute. On va scinder le groupe en deux. Un qui va les mettre et un qui va aller. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, ouais. Non, les gars, calmez-vous, on va pas faire trop de voix. Sinon, c'est de l'over. Les gars, c'est de l'overvoice, c'est de l'overbuzz après derrière, les gars. Non, on fera pas de l'overvoice. Calmez-vous, les gars. Sinon, je coupe le live. Ah, tu sais bien faire un Léva. Oh, ça sert. Ouais, c'est quelque chose voilà, que je maîtrisais. Comme un peu, quand je prends un peu ta petite soeur qui s'amuse à faire le repas, du ramadan. Ouais, ouais. J'arrive juste derrière et je lui prépare des petites pâtisseries. J'aimais beaucoup. Ne t'inquiète, rien de vulgaire avec ta soeur, je l'apprécie. Ah, tu as cru que j'allais. Hein, que j'allais faire une petite intriqué là. Ta petite copine Gisèle là. T'inquiète pas, ouais, Gisèle, hey, on la connaît. Laisse ma grosse cagole là où elle est. La pichoune, hein, hein. Oh plaisir. Les bâtards. C'est plus petit plaisir. Bon les gars, plaisir, remontez s'il vous plaît là. On fait pas comme l'Olympique de Marseille s'il te plaît, merci. Bon les gars, bienvenue sur Fun Radio, on est en direct à la radio. Alors c'était un canular téléphonique qui nous a été proposé. Je vous ai dit. Par Jean-Baptiste, merci beaucoup, on est toujours en direct à la radio. Non. Merci à Domingo, aussi qui est avec nous sur Fun Radio, qui va devoir faire son interview juste derrière. Juste avant, on a bien sûr le jingle et un voyage à vous donner. Arrête. Tu viens de gagner un voyage à Ibiza, Orange. On sait que t'es pauvre et ça te fera plaisir de voyager hein, en ce temps de confinement. Et on t'envoie le bleu, une antenne parabolique là où tu capteras toutes les chaînes, c'est-à-dire Carlouche TV, Welle. Et pour le bleu, ça sera un retour charter au bled, bien sûr avec Khalifa Airways. Merci à notre partenaire Khalifa Airways. Mais oui. Bien fin game. Ouais, venez, on recommence. Non. On recommence. Non. M'en bats les couilles, frère, raconte pas ta vie. Je n'ai pas votre temps. Merci à vous tous. N'oubliez pas, la vie est une fête. Rendez-la comme du velo et à ciao, bon dimanche. Il est quoi? T'es un génie, frère.
C'est la fin de cette vidéo, merci de lâcher un pouce bleu, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Hein. Partagez-la aussi hein, si ça vous a plu, pour plaire certainement à vos potes. Hein. Regarde, je suis encore en direct avec eux. Super bonne cette vidéo, very good. Dans les commentaires s'il vous plaît, ça vous a plu. Oh ça c'est quoi?